Salut tout le monde, est-ce que ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de orthographe, les adjectifs numéraux cardinaux. Dans cette leçon, on a deux objectifs. Objectif numéro 1, identifier les adjectifs numéraux cardinaux. Exercice 2, savoir les orthographier correctement. Alors, j'observe et je découvre. Ma sœur mange 2 pommes par jour. أختي تأكل تفاحتين في اليوم. B, cet athlète court 4 km. هذا العداء يجري 4 كيلومترات. C'est dans notre quartier, il y a 3 écoles et 2 crèches. Fi hayina, toujadu madrasatani, et à telas madaris, soit la crèche ya raudraudan. Ce médecin soigne 30 malades par jour. Hada tabib yu'alij 30 maridan fi al-yawm. La phrase E, il y a 50 infirmiers dans cet hôpital. في هذا المستشفى يوجد 50 ممرض. Donc, je manipule et je réfléchis. Observe les mots en couleur dans les phrases. Donc, لاحظ الكلمات الملونة في الجمل. Donc, on a 2, 4, 3, 2, 30, 50. 1. Question numéro 1. Quels renseignements donnent-ils sur les noms qui les précisent? Ma hiya al-ma'louma li kata'tina had al-kalimat hawl al-asma' lati tan'at. Donc, il nous donne le nombre, tu'tina l'adad. Par exemple, la phrase A, ma sœur mange 2 pommes par jour. Donc, avec 2 qui bilina, il nous montre le nombre qui bilina l'adad. Chhal klas ukhti min tufaha. Donc, question numéro 2, trouve d'autres mots comme 3 qui précisent le nombre du mot qu'il précède. Donc chaque mot, donc les autres mots, il y en a 4, il y en a 3, il y en a 30, 50. Donc des nombres, adad. Ou là, qui est dans les adjectifs, il précise le nombre, adad. Donc je retiens, je connais mal les adjectifs cardinaux. Je retiens, les adjectifs numéraux cardinaux précisent le nombre exact des êtres, des animaux et des choses désignées par le nom. Donc, les adjectifs numéraux cardinaux précisent le nombre exact. Tu as les adjectifs cardinaux qui donnent le nombre exact des êtres, les insectes, des animaux, les hayawan, et des choses, les achia. Ce sont soit des mots simples, kalimat basita, halash, comme 1, 2, 3, etc. Soit des mots composés obtenus par l'addition. Aou takounou, kalimat morkaba, nahsoulu alayha bi, wastat l'addition. L'addition wa al-jama. 18, yani 21. 18, yani ashra, zaït minya, yat mantash, y'a 18. 21. 21. Soit des mots composés obtenus par la multiplication. Le juda. Nahsoul ala arqam bi juda. Exemple 80. Yani 4 fois 20 تساوي 80. Il y a 80. 200. 2 fois 100, il y a 200. 200. Donc, soit des mots composés obtenus par la multiplication et l'addition. Yani kalimat murakkaba min al-jam'i wal juda. Exemple 204. Un trait d'union relie les mots entre eux. Donc un trait d'union, il y a واحد شرطة كتربط بين الكلمات. Exemple 27 203. Donc il est 27 كنلقاو شرطة بين un tiret ou بين 20 مع 7. Les adjectifs numéraux cardinaux sont tous invariables, sauf. Donc, les adjectifs numéraux cardinaux,
لا تتغير فهي ثابتة invariable. Il a un. Un qui s'accorde au féminin. Donc un, kangolo un garçon, ou là féminin katouli une page. Regardez bien l'exemple, la page. 20 et 100 qui prennent le S du pluriel quand on les multiplie sans leur ajouter des dizaines. Donc, on a 20 avec 100. Il a ce mélange le pluriel quand il dit l'homme S. Blâme de l'homme les dizaines, la hacharas, ou d'unité, ou la wahadas. Exemple, 80. Regardez bien 80. Donc 20, c'est la S. Elle a la multiplication. Mais regardez bien 82. Donc on a la multiplication, c'est la des unités, la wahadas. Donc on a 20, me fait HS. 300. Regardez 300, il y a une lettre de l'MIS, donc 100, on a ajouté S. Mais 301, on n'a pas de S 100. Remarque, Moulahada, même quand il est multiplié, 1000 reste invariable. Donc, Nisbel 1000, Meshib Hal 100, ou 20, là, il y a exemple 2000, regardez bien 1000, Meznalash S. Donc, on a donc un je retiens. Les adjectifs numéros cardinaux précisent le nombre exact des êtres, des animaux et des choses désignées par le nom. Ce sont soit des mots simples, 1, 2, 3, etc., soit des mots composés obtenus par l'addition, 18, 21, soit des mots composés obtenus par la multiplication, 80, 200, soit des mots composés obtenus par la multiplication et addition. Exemple 204. Un trait d'union relie les mots entre eux. 27, 203. Les adjectifs numéros cardinaux sont tous invariables sauf 1 qui peut s'accorder au féminin, la page, une page. 20 et 100 qui prennent le S du pluriel quand on les multiplie sans leur ajouter des dizaines ou d'unités. Exemple 80, mais 82, on n'a pas de S. 300, on a ajouté S, mais 301, on n'a pas ajouté de S. Remarque, même quand il est multiplié, 1000 reste invariable 2000 ans. On va passer pour faire l'exercice de « Je m'entraîne ». On tourne les adjectifs numéros cardinaux. C'est-à-dire les adjectifs numéros cardinaux. Cet hôpital a une superficie de 2000 mètres carrés. هذا المستشفى له مساحة 2000 متر مربع. Ma mère prend 4 médicaments par jour. أمي تأخذ 4 أنواع من الأدوية كل يوم. Pour rester en bonne santé, لتكون في صحة جيدة, il faut boire 3 litres d'eau par jour. يجب عليك أن تشرب 3 لترات من الماء. Cet athlète est le champion des 500 mètres. هذا العداء هو البطل في مسافة 500 mètres. Exercice numéro 2. Écris les nombres suivants en lettres. Donc on a dit des chiffres, des nombres en chiffres, tu dois les écrire en nombre. Un عدد بالأرقام بالأرقام يجب عليك أن تكتبها بالحروف. Donc pour je m'évalue, recoupez ces phrases en écrivant les nombres en lettres. Donc, nana arqam, adad m'ksoubin bil arqam, s'ksoubin bil horof. 400 personnes habitent dans ce quartier. 400 chars, c'est ce que c'est qu'on a fait hadal hay. Ce vendredi, nous avons reçu 3 personnes. Fi hadal jumwa, fi hadal jumwa, s'akbelna, 18 chars. Ce marchand vend 60 kilos de dattes pendant le ramadan. هذا التاجر باع يبيع 60 كيلوغرامات من التمر خلال رمضان. Exercice numéro 2. Classe les mots dans le tableau suivant les adjectifs numéros cardinaux.
ضع في داخل الجدول الكلمات أو les adjectifs cardinaux, numéros cardinaux. 4, 19, 21, 80, 60, 11, 46, 10 300. Donc le voilà le tableau. Donc tu vas mettre les mots simples, les mots composés par addition, les mots composés par la multiplication, les judas. Maintenant, vous allez arrêter la vidéo et vous allez faire l'exercice. Après, on va faire la correction. الآن قم بإيقاف الشريط. عندما تنتهي قم بتشغيل الشريط فستجد التصحيح. Donc maintenant on va faire la correction. Donc on va refaire de début. نعود من الدرس من البداية. On tourne les adjectifs numéros cardinaux. Je m'entraîne. Donc on a 2000, on a 4, on a 3, 3 litres, 500, etc. Puis écris, je m'entraîne, écris le nombre suivant en lettres. On a 13, 85. Regardez bien 85, Mesnash S, c'est un nombre. 106, 300, 300, Mesnash S. ما تبعش لي زونيتي مع لي ديزان مزناش الوحدات والعشرات 220 regardez 100 on n'a pas ajouté des حيت تابعينها العشرات اللي هي 20 80 on a ajouté s حيت ما تابعينهاش العشرات للوحدات 2000 1000 لا تتغير 400 sans زناها s donc انت بقى قاعده puis on va passer pour je m'évalue. Recouper ces phrases en écrivant en lettres. Donc, il y a l'arqam au nombre d'adad. 400 personnes habitent dans ce quartier. B, ce vendredi, nous avons reçu 18 personnes. Ce marchand vend 60 kilos de dattes pendant le ramadan. Le deuxième exercice, classe dans le tableau les mots suivants. Donc, on a les mots simples. كلمات البسيطة 4 11 60 الكلمات المركبة بالجمع 19 يعني 10 زائد 9 هي 19 19 21 20 و1 يعني 20 زائد 1 هي 21 46 46 لي مو كومبوزي بار لا ملتيبليكاسيون كيما قلنا الجدا 80 10 300 دونك هنا 300 3100 هي 300 Donc, notre leçon touche à sa fin. J'espère que vous avez bien compris la leçon. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Si vous avez une remarque ou bien vous n'avez pas compris, laissez-moi un commentaire. إذا لم تفهموا شيء أو لديكم ملاحظة ضعوها في تعليق. Au revoir et à la prochaine. إلى اللقاء في الملتقى.